Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter les dernières nouveautés ELF. Donc ce sont des produits qui sont sortis très très récemment sur le site. Voilà, donc comme d'habitude, je vous fais une petite revue pour vous les présenter. Je les ai également testés au moins une fois, donc vous aurez également ma première impression. Donc parmi ces produits, il y en aura trois. Qui ne sont pas encore disponibles sur internet, je les ai reçus en exclusivité. Mais ne vous inquiétez pas, si ces produits-là vous intéressent, ils seront disponibles très prochainement, courant du mois de septembre. Alors, je vais commencer par les pinceaux. Donc, ils ont sorti trois nouveaux pinceaux pour le teint. Alors, on a celui-ci qui est le pinceau mélangeur Ultimate. Alors, tout ce qui est référence, prix, je vous y remettrai soit par ici et également en barre d'infos. Donc, c'est un pinceau qui me fait un petit peu penser au pinceau de chez Sephora, le numéro 45, que j'utilise notamment pour appliquer le fond de teint, sauf que celui-ci, il a les poils beaucoup plus souples. Alors déjà, la première chose au niveau de ces pinceaux, c'est qu'ils sont d'une douceur, mais voilà, top. Vraiment hyper, hyper doux, super agréable à utiliser. Je reviens à ce pinceau, qui peut être aussi bien utilisé pour le fond de teint, donc plutôt des textures assez fluides, ou alors appliquer le blush. Je m'en suis servie aujourd'hui pour appliquer mon blush et voilà, il n'y a pas eu de soucis. Donc voilà, ensuite on a le pinceau Contouring Studio, qui est comme ceci. Donc comme son nom l'indique, c'est un pinceau pour réaliser le contouring. Donc voilà au niveau de la forme. Un très très bon pinceau pour celles qui aiment faire justement le contouring, les zones d'ombre, les zones de lumière du visage, etc. Il est quand même très précis de vraiment venir tracer son contouring en étant bien précise. Alors bien sûr après il faudra estomper, mais voilà, pour celles qui aiment vraiment travailler sur ça, qui aiment beaucoup voilà, le contouring, qui aiment beaucoup travailler comme je dis les zones d'ombre, les zones de lumière, en étant vraiment très précise, ce pinceau là est vraiment top. Et le dernier pinceau, donc c'est celui-ci qui n'est pas encore sur le site, donc c'est le Blending Brush, qui est un petit peu en forme d'éventail. Donc au niveau de la taille, il est assez petit. Ma mère! Allô? Ouh, bah tu seras dans la prochaine vidéo, je suis en train de filmer. Alors du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je vous disais que c'est le pinceau qui n'est pas encore disponible sur le site, mais voilà, comme je vous ai dit, ça va être disponible courant septembre. Donc c'est un petit pinceau, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, qui est un petit peu en forme d'éventail et qui est pas trop large et pas trop fin. Alors ça peut être un pinceau qui peut vous servir à plusieurs choses. Alors déjà, à faire le contouring, si vous voulez faire un contouring assez rapide, pas trop précis, mais quand même assez marqué, on peut largement flouter avec puisqu'il est très très souple et il est quand même beaucoup plus large que celui que je vous ai présenté, vous voyez. Donc voilà, faire le contouring assez rapidement, très très bien. Vous pouvez également appliquer votre highlighter, voilà, sur le haut des pommettes. C'est pareil, une forme qui va très très bien. Ensuite je passe à la partie donc maquillage. Alors ils ont sorti une nouvelle base de teint qui se présente comme ceci. Donc c'est la Blemish Control Face Primer. Donc c'est une base anti-imperfection. Alors elle n'est pas du tout verte, c'est le packaging en fait à l'intérieur qui est vert, mais le produit est complètement transparent. J'étais persuadée que c'était une base verte puisque généralement les bases pour le teint anti-imperfection, pour rougeur, etc. c'est dans des teintes assez vertes puisque ça vient tout de suite atténuer les rougeurs justement. Ça a une texture qui n'est pas du tout grasse, il y a vraiment un fini mat. Ça lisse le grain de peau, voilà, c'est une base de maquillage très très bien. Alors pourquoi c'est une base anti-imperfection? Tout simplement puisqu'elle est formulée à base d'acide salicylique, de vitamine E et de T. Et ça vient préparer la peau donc au maquillage. Donc moi qui ai pas mal de petites imperfections en ce moment, merci dame nature, je vous redirai ça puisque voilà justement c'est un petit peu l'occasion pour moi de la tester, voir si ça fait quelque chose ou pas, je vous redirai ça. Donc à voir également au cours de la journée si je brille moins qu'habituellement, donc voilà je vous en reparlerai. Ensuite un produit, alors celui-ci
qui n'est pas encore disponible sur le site. C'est le Foundation Serum, donc c'est un sérum teinté qui a un SPF de 25. Alors ça, c'est un produit, j'étais assez curieuse de le tester, je ne savais pas trop ce que ça allait donner et c'est une très très belle découverte. Ça a une texture vraiment très très légère, même au niveau de la couvrance, ça a une couvrance très légère. C'est pas du tout comme une bébé crème ou un fond de teint. C'est vraiment quelque chose de très fluide, de très léger à porter sur la peau. Alors c'est un sérum qui est fait pour améliorer l'aspect de votre peau et également réduire l'aspect des pores. Alors je l'ai testé et sincèrement c'est un excellent produit. Donc comme je vous ai dit, c'est une texture très fluide et très légère qui n'est pas du tout grasse. Une fois que vous avez fini de l'appliquer, c'est un rendu un petit peu velouté sur la peau. Donc vraiment, si vous voulez l'appliquer tout seul, c'est pas un produit qu'il va vraiment falloir venir par exemple poudrer parce que justement c'est un petit peu gras, etc. C'est vraiment très léger à porter, ça apporte vraiment une couvrance très très légère. Mais alors par contre, ça vous donne une super super jolie peau. Ça unifie un petit peu le teint dans le sens où vraiment vous allez avoir un genre de coup d'éclat. Vraiment l'impression d'être moins fatiguée, d'avoir vraiment une plus jolie peau, un coup d'éclat au teint. Vraiment j'ai été assez bluffée de ce produit là. Voilà, donc en tout cas je trouve que c'est pour l'instant un bon produit qui est quand même intéressant à tester. Ensuite un mascara, donc ça c'est également le produit, donc c'est le dernier parce que je disais qu'il y en avait trois, de produits qui n'est pas encore sorti. Il y a un nouveau mascara mais c'est pas celui-ci. Donc celui-ci c'est le Beautiful Bear Defining Mascara. Alors c'est un mascara que je n'ai pas trop aimé. Alors je vais vous dire pourquoi. Après ça dépend des personnes, suivant ce que vous recherchez comme résultat. Donc la brosse est comme ceci. C'est un mascara qui vous conviendra parfaitement si vous recherchez un effet très naturel. Voilà, il va vraiment venir noircir vos cils, les allonger un petit peu, mais ça ne donne pas particulièrement de volume. Ça fait pas du tout d'effet très flagrant en fait. J'ai essayé d'en appliquer plusieurs couches pour voir un petit peu le résultat, mais voilà, c'est un petit peu toujours pareil. Donc moi, c'est pas du tout le genre de mascara que j'aime porter, ce genre d'effet là que je recherche avec un mascara. Maintenant, si vous aimez justement avoir quelque chose de très naturel, il vous conviendra très très bien. Ensuite, on a des nouveaux blushs. Donc ce sont des blushs crème comme ceci. Alors là, c'est la teinte Rose Royalty. Alors c'est le blush que je porte aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous verrez bien parce que c'est la première fois que je filme ici avec mes éclairages. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous va ou pas. Donc c'est un blush crème comme ceci. Donc là, c'est une couleur rose pêche et vous voyez, ça fait un effet très naturel, quelque chose de vraiment bonne mine. Alors bien sûr, ça se dose. Si vous voulez quelque chose d'assez naturel comme j'ai fait aujourd'hui, j'en ai appliqué relativement peu, que j'ai bien estompé. Après, si vous voulez marquer un petit peu plus, il vous suffit d'en rajouter. Alors je vais vous faire un swatch. Alors c'est un blush crème mais qui n'est pas du tout gras. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur et je ne sais pas si vous allez voir, mais le rendu est totalement mat. Ça a vraiment un résultat poudre, vraiment comme si vous aviez un blush poudre. Et vous voyez, quand j'estompe, ça s'estompe super bien. Voilà, c'est vraiment une belle découverte puisque moi habituellement je ne suis pas fan des blush crème. Je dois en avoir un ou deux que j'utilise vraiment très très rarement. Et là pour le coup, j'aime beaucoup le rendu très naturel, cet effet un petit peu poudré qui n'est pas du tout gras, ça vient pas du tout déplacer votre fond de teint en dessous, etc. J'ai vraiment bien aimé. Alors on peut l'appliquer, moi je l'ai appliqué par exemple avec ce pinceau là. Alors c'est plutôt pas mal. Maintenant pour ce genre de texture crème, c'est bien de prendre des pinceaux type duofibre. Ensuite un produit pour les lèvres. Alors je sais que vous êtes assez nombreuses à m'avoir demandé des swatchs, me demander ce que ça donnait, le rendu, etc. C'est le fameux rouge à lèvres magique. Alors, qui se présente comme ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ce rouge à lèvres magique? Alors déjà, c'est un rouge à lèvres qui va venir
hydrater vos lèvres comme un baume. C'est hyper agréable à porter, donc je le porte aujourd'hui. Donc déjà c'est quelque chose de super hydratant, quelque chose de vraiment agréable à porter puisque ça ne colle pas, c'est pas pâteux. C'est vraiment super agréable à porter. Alors le côté magique, c'est tout simplement que ça va s'adapter à la carnation de vos lèvres. Voilà, donc moi je le porte aujourd'hui. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Ça vous donne votre rose parfait. Voilà, donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce produit. Parce que voilà, je trouve que c'est... C'est un joli résultat, effectivement c'est un rose qui je trouve me va bien, c'est pas trop foncé, pas trop clair, c'est quelque chose qui a un aspect un petit peu glossy mais très légèrement et j'aime beaucoup le fait que ce soit sous forme comme un baume en fait parce que c'est hyper hydratant, c'est hyper réparateur pour vous dire. Je suis un petit peu enrhumée donc j'avais vraiment le contour des lèvres du haut assez gonflé, assez rouge et un petit peu sec. Et là vraiment ça m'a fait beaucoup de bien et il n'y a pas besoin d'en mettre tout le temps. Je trouve que ça a plutôt une bonne tenue. Donc en fait c'est à base de beurre de karité. C'est pour ça qu'on a vraiment ce côté hyper hydratant pour les lèvres. Voilà donc ce produit là c'est vraiment une belle découverte et pareil je trouve que c'est un produit très très intéressant. Les deux belles découvertes des produits intéressants pour moi à tester, c'est donc ce fameux rouge à lèvres magique et ce sérum teinté. Vraiment ça, c'est les deux belles découvertes de ces nouveautés. Ensuite, ils ont sorti des nouvelles palettes. Alors, ce sont les palettes Everyday Smoky. Donc là, pareil, vous avez été très nombreuses à me demander ce que donnait la pigmentation des fards. Donc moi, j'ai pris la teinte Smoky. Voilà, donc ça se présente... comme ceci. Donc ce sont des petites palettes de fards plutôt neutres. Donc ça m'a fait un petit peu penser aux palettes Urban Decay. Alors c'est pas tout à fait les mêmes teintes, etc. Mais voilà, d'avoir des palettes de neutres comme ça, j'ai trouvé que ça s'approchait un petit peu des naked et que ça pouvait être intéressant justement pour celles qui n'ont pas ces palettes-là, qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 50 € dans une palette ou qui n'ont pas envie tout simplement. Donc vous avez je crois 10 fards, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fards, c'est ça. Donc vous avez des fards mat, satinés et vous en avez également des pailletés. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Alors au niveau de la pigmentation, ça dépend des fards. Il y a des fards qui sont bien pigmentés. D'autres qui le sont beaucoup moins. Donc ne vous attendez pas à une pigmentation comme les fards d'Urban Decay. On est d'accord. Donc je vais vous en swatcher quelques-uns. Voilà. Donc ça, ce sont les fards un petit peu satinés, pailletés. Vous voyez qu'ils ont quand même une très bonne pigmentation. Après, ceux qui vont être moins pigmentés, ça va être les fards mat. Voilà, qui vont être un petit peu moins pigmentés. Après, ça reste des teintes relativement claires. Donc qui sont parfaites pour le creux de paupière ou estomper vos fards. Après au niveau des teintes foncées, pareil, un petit peu moins pigmentées, mais voilà, ça suffit largement si vous voulez foncer votre acide, etc. Bien sûr, si vous voulez faire un gros smoky bien noir, bien charbonneux, bien intense, non, je pense qu'il faudra quand même utiliser une bonne base en dessous ou un crayon jumbo, enfin quelque chose d'assez gras et d'assez pigmenté. Mais c'est des jolis fards, voilà, une petite palette qui je trouve est très très bien pour faire des maquillages de tous les jours. Ensuite je vais vous parler des matte lip color, donc ces fameux jumbo pour les lèvres que j'adore, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je les utilise très souvent dans mes vidéos, donc ils ont sorti deux nouvelles teintes. Donc il y a tout d'abord la Dash of Pink qui est donc un rose très sympa, c'est un rose qui est pas trop vif. Et il y a la teinte Berry Sorbet. Alors celle-ci, waouh, elle est juste sublime. J'ai vraiment, vraiment hâte de vous la présenter dans un tuto. C'est une teinte entre le fuchsia, le violine. Enfin voilà, il est sublime. Je trouve vraiment la couleur trop, trop belle. Donc ça, je trouve que c'est une couleur qui est parfaite pour l'automne. Donc je pense que je vous ferai un tuto avec très prochainement. Parce que vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça rend.
Et le dernier produit, c'est une nouvelle teinte des Smudge Pots. Donc ce sont ces petits fards crème que vous pouvez utiliser soit en base, soit tout seul sur la paupière, parce que ça a une texture vraiment très très facile d'utilisation. Vous venez travailler ça au doigt, ça s'estompe tout seul. Voilà, c'est top. Vous pouvez également vous en servir comme eyeliner. Donc ils ont sorti deux nouvelles teintes, je crois. J'ai choisi celle-ci parce que vraiment, elle m'intéressait beaucoup. Et sincèrement, parmi tous les petits smudge pots que j'ai, je pense que c'est ma préférée. Je la trouve trop trop belle. C'est la teinte Why Not, qui est comme ceci. Alors, c'est une teinte marronnée avec des reflets violines. Il est juste sublime. Alors, je le porte aujourd'hui en tant que base. J'ai rajouté un petit fard par-dessus. Voilà. Je trouve ce fard mais magnifique. Donc, pareil, c'est une couleur qui va très très bien aller pour l'automne. Et bien voilà les filles pour ma vidéo sur les nouveautés ELF. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.